Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ebony Beauty. Après avoir eu un petit moment de folie, on va parler plus sérieusement. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un maquillage. Voilà, j'ai décidé de laisser libre cours à mon imagination et de vous montrer comment je maquille. Donc aujourd'hui, on va parler couleurs et je vais aller dans les tons verts et tout. Je vais m'inspirer un peu de la nature, mais plus des feuillages. J'espère que le tuto va vous plaire. Merci de vous abonner et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. N'oubliez pas que vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Sur ce, je vous laisse regarder la suite. Je commence toujours par hydrater mes lèvres. Ensuite, je vais prendre mon scotch et je vais enlever mes surplus de colle. Et je viens le déposer comme ceci au niveau de mon œil parce qu'aujourd'hui je veux que les ombres à paupières aient une finition bien nette. Et ensuite je prends mon anti-cerne de chez Lager Pro et je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et je vais prendre un beauty blender et je vais venir étaler cet anti-cerne là sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et je prends vraiment le temps de vraiment bien répartir les produits pour avoir une belle finition. Donc voilà. Ensuite, je prends ma palette de Trip by Juvia. Je prends cette première couleur et je viens l'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur comme ça, en appuyant dessus de sorte à ce que les ombres à paupières adhèrent bien à ma base. Au fur et à mesure, j'intensifie la couleur et là, je commence à flouter de sorte à avoir une belle finition et voilà, un bon ombré, un beau ombré. Je prends ma deuxième couleur et je viens le placer du coin externe de l'œil vers l'intérieur et je floute de sorte à créer un dégradé entre ma deuxième couleur et la première couleur et au fur et à mesure, j'intensifie la couleur. Là, je reviens avec ma première couleur et je viens le remettre par-dessus parce que parfois, ça a tendance à s'effacer lorsqu'on applique les couleurs suivantes. Je viens reprendre mon anti-cerne de tantôt avec un pinceau plat et je vais venir l'appliquer comme ceci sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais lever les yeux vers le plafond. Je regarde à gauche, à droite. Ça va me permettre d'avoir une ligne de démarcation comme ici. Sinon, dans la journée ou dans les soirées, vous allez avoir des transferts d'ombre à paupières au niveau du haut. Et ensuite, je viens faire ma découpe. Je découpe ma paupière mobile. Et vous voyez que je découpe ma paupière mobile au-delà du pli, de mon pli naturel. Parce que, voilà, j'ai une paupière mobile assez petite comme ça. Donc, j'essaye de détendre. Voilà, j'essaie d'avoir beaucoup plus de place. C'est beaucoup plus joli. Et j'essaie aussi de vraiment donner une belle forme. C'est ça qu'on appelle le cut crease. Il faut que vraiment on ait la plus belle forme possible et j'étends mon anti-cerne vers le coin externe. Je prends une autre palette de Magic by Juvia, je prends cette couleur et je viens l'appliquer là où j'ai mis, j'ai fait mon cut crease et je fais en sorte de remplir parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un espace genre entre l'anti-cerne et la couleur verte par-dessus. Je prends une deuxième couleur et je viens l'appliquer comme ceci. Une couleur verte et j'essaie de former en fait quelque chose de joli on va dire et ensuite je vais prendre mon premier pinceau et je viens mélanger la première couleur avec la deuxième couleur verte histoire de créer un joli dégradé et je reviens encore vers le coin externe de l'œil. Là j'applique mon ombre à paupières vert. Et vous voyez que je l'applique vraiment au niveau du coin externe de l'œil et je le travaille en remontant pour que ça joigne les deux premières couleurs du moins. Et là-bas, j'essaie de faire un smoky vert. Je le travaille vers l'intérieur, mais pas trop. Et je reviens avec ma couleur verte.
Et ensuite, la couleur jaune. Vous voyez que c'est un dégradé. Je fais marche devant, marche arrière aussi. Donc ensuite, je prends mon encre à paupières noire et je vais venir aujourd'hui faire un eyeliner. Mais un eyeliner qui n'aura pas une finition très nette. Je veux quelque chose de flou. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, je n'hésite pas à dégager mes cils pour vraiment travailler au niveau du ras de cils supérieur. Et je remplis au fur et à mesure. Je n'hésite pas à ouvrir les yeux pour vraiment bien dessiner mon œil, la forme de mon œil. Là, j'étire vraiment mon eyeliner du jour. Et on fait toujours pareil de l'autre côté. J'hésite pas à regarder les deux côtés en fait pour être sûr que les deux yeux sont pareils. Ici, j'enlève mon scotch et vous voyez que voilà, c'est bien fait. Et là, j'applique une tonne de mascara. Et sincèrement, j'adore ce mascara. Il est moins cher et il met mes petits cils en valeur. Surtout moi qui n'aime pas trop mettre les faux cils. J'adore ce mascara. Ensuite, je prends mon lait défroissant et je vais venir l'appliquer sur mon visage comme ça et je vais nettoyer. Vous voyez qu'il y a des résidus, c'est pour ça que quand je fais les looks comme ça, je commence toujours par les yeux. Comme ça, même si après tu as des fonds de teint, des ombres à paupières qui adhèrent à la peau, tu as le temps de nettoyer et tout. Donc, je nettoie bien. Là, je prends une couleur d'ombre à paupières irisée dorée, je l'applique au niveau de mes sourcils comme ça pour illuminer cette partie de mes sourcils. Ensuite, je prends un autre pinceau et je floute. Il est très important de bien flouter. Flouter, c'est le secret du maquillage des yeux. J'applique mon hydratant du jour Hydra Genius de chez L'Oréal et il est destiné au type de peau grasse. J'adore ce hydratant-là. Voilà, ça donne à ma peau une fraîcheur et ça hydrate énormément ma peau. Là, j'applique mon Hydra Balm de chez ELF qui est légèrement mentholé mais que j'aime beaucoup aussi. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage et je n'hésite pas à bien masser pour que ça adhère bien à ma peau. Ici, j'utilise ma poudre matifiante de chez Fenty Beauty du moins et je l'applique sur le nez, le menton, le front parce que c'est cette partie de mon visage qui brille trop. Là, je vais appliquer mon fond de teint de chez Estée Lauder qui est un double wear et qui est intransférable sur les habits. Et là, j'applique mon deuxième fond de teint de chez Maybelline, qui est le 368, le Dream Matte Mousse. J'aime parfois mélanger les fonds de teint comme ça pour avoir ma teinte. Et là, j'utilise un stippling brush parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas un fond de teint qui est trop couvrant. Et quand on utilise le stippling brush comme ça permet d'avoir une finition beaucoup plus naturelle, on va dire. Et je n'hésite vraiment pas à bien travailler l'application du fond de teint. Ça aussi, c'est très important. Il est très important de trouver le fond de teint qui matche le plus à sa carnation. Et il m'arrive parfois de faire des mélanges comme ça. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint en guise d'anti-cerne. Et j'aime beaucoup ce fond de teint-là parce qu'il est crémeux et il ne brille pas. Je l'applique comme ceci sur mon visage et je l'étends de l'intérieur vers la tempe. Cela va me permettre de créer un joli contouring naturel. Et vous voyez que je prends le temps de bien travailler les fonds de teint. Je mets sur le menton, sur les côtés de ma bouche, de mes lèvres. Je n'hésite pas à chaque fois de venir bien travailler les matières. Là, je vous fais un petit cœur, un petit bisou. Et j'en mets sur l'arête du nez, au niveau de l'arc de Cupidon et j'en mets au niveau de la mâchoire. Aujourd'hui, je fais un contouring différent d'habitude et là, je viens commencer à travailler. Le secret du maquillage, c'est prenez le temps de travailler les différents produits parce que quand on ne prend pas le temps, on n'aura pas la finition flawless qu'on recherche. Donc, je prends énormément. Vous-même, regardez mon teint, il est bien fait. Voilà, c'est moi, je me jette des fleurs. Ici, j'utilise mon contour, ma peau de contour qui vient de chez MAC. C'est le NW58 qui est beaucoup plus sombre que ma teinte. Et je me contoure comme ça, tout simplement. Je contoure au niveau de ma mâchoire pour affiner ma mâchoire. Et avec mon Beauty Blender, je viens travailler le fond de teint que j'ai utilisé en guise d'anti-cerne. Et ensuite, je vais prendre ma poudre translucide de chez Sacha et je vais venir l'appliquer comme ceci, de l'intérieur vers l'extérieur.
J'en applique aussi sur le menton, sur le nez, parce que c'est les parties qui brillent le plus sur mon visage. Et là, avec une éponge en triangle, je divise ma mâchoire en deux. Je prends cette couleur verte et je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur et je floute. Bien, je fais pareil toujours de l'autre côté. Je prends cette couleur d'ombre à paupières et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur en veuillant créer quelque chose de joli. Cela me permet d'ouvrir aussi mon regard et ça ajoute encore de la couleur, une autre dimension. J'aime bien. Je reviens avec la couleur verte de tantôt et je viens l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil comme ça. Je fais pareil. Ici, je divise mes sourcils en deux. Et là, avec un pinceau à ongles, je vais venir commencer à bien travailler la poudre translucide. Et il faut savoir que lorsque j'applique la poudre translucide comme ça, ayant une peau grasse, je laisse poser pendant au moins 10 minutes. Plus vous laissez poser, plus vous allez garder le maquillage longtemps si vous avez la peau grasse. Par contre, si vous avez la peau sensible, c'est mieux de ne pas laisser poser aussi longtemps. Là, j'applique mon blush. Et voilà, ici j'applique mon mascara au niveau du ras de cils inférieur. Là, je prends cet ombre à paupières pailleté doré, je viens l'appliquer par-dessus mon blush et j'intensifie un peu. Et j'en mets sur la pointe du nez et je vais venir le mettre ici au centre comme ça. Ça va créer cette espèce d'illusion de nez fin. Bon, je trouve que je n'ai pas bien travaillé, mais bon, c'est pas grave. J'en mets aussi au niveau du début de mes lèvres. Et là, je vais vaporiser ma brume fixante de chez Mario Badescu qui va rafraîchir mon visage. Là, je fais le contour de mes lèvres en utilisant un crayon violet foncé de chez Macari. Et j'ombre les côtés de mes lèvres comme ceci. Je n'hésite pas à mixer. Et là, j'applique mon rouge à lèvres de chez MAC. Les produits que j'ai utilisés dans ce tutoriel, je les mettrai en barre d'infos. Là, je n'hésite pas à nettoyer le milieu de mon arc de Cupidon. Je reviens avec un autre rouge à lèvres. Je viens l'appliquer au niveau du centre de mes lèvres, comme ça. Ça va me donner des lèvres pulpeuses et tout. Et ensuite, avec mon doigt, je viens tapoter pour mélanger les rouges à lèvres ensemble. Donc voilà à peu près le look du jour. J'espère que le tuto vous plaît. Vraiment, dans le maquillage, la façon dont je me maquille, c'est comme ça que je me maquille et tout. Et j'aime bien quand c'est la finition est qu'il n'a qu'à avoir une belle finition. Et tout, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous avez envie de voir pour le prochain tuto. Moi, je vous dis à très bientôt sur Ebony Beauty. Au revoir et à bientôt.